95 degrés dans ce vestiaire, mais ça a chauffé sur le terrain. Léo, ce qu'on va retenir, c'est ce point, il en vaut presque deux. Ouais, c'est clair que Marseille, c'est une grosse équipe. C'est toujours difficile de faire un résultat ici. On poursuit notre série, donc c'est un bon point de prix. Bon, franchement, une solidarité pareille face à des Marseillais qui ont certes eu plus le ballon, mais qui n'ont pas fait grand-chose de bien. Ouais, je pense que, limite, sur l'ensemble du match, on a eu plus d'occasions qu'eux. Voilà, on a été solide à la fin, on est resté groupé derrière et voilà, c'est un bon résultat. Ouais. C'est bien, hein, ces matchs appréciés. Ouais, c'est des bonnes ambiances, et ça fait plaisir. Ouais. Bravo Léo, merci. Je suis à côté de TJ Savanier, bon, qui est d'un look un peu différent. Joris, je le disais à Léo, c'est un match où il faut avoir les... Hein, ouais, c'est ça, je pense que c'est un bon point de prix. Je pense que même si on dit que l'OM est un petit peu plus fait de briller au Vélodrome, il n'y a pas beaucoup non plus d'équipes qui vont ramener des points d'ici, donc c'est bien. Après, voilà, ils n'ont pas énormément d'occasions non plus, donc oui, ils ont eu le ballon, mais on a été solide défensivement, on a eu quelques belles occasions, et voilà, on ramène ce point qui fait quand même du bien. Le point du match nul, mais c'est une victoire dans les têtes et ça tombe franchement au bon moment. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est un bon point parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent des points au Vélodrome. En plus, on continue la série d'invincibilité, donc c'est bien pour la suite. Ça a chauffé un peu, hein ? Ouais, ça a chauffé un peu, mais ça va, honnêtement, c'était... Signé honteusement Khalil Fayad. Oui, tu dis ça a chauffé un peu. Je sais même plus, ouais, ça a chauffé un petit peu, mais dans l'ensemble, c'était un match dans le bon état d'esprit. On a été agressif sans voilà, dépasser les limites, donc c'était un bon match, on a été solide et voilà, on ramène ce point qui nous fait continuer une bonne série. Merci. Arnaud, n'en peux plus. Quel match, dites-moi. Ouais, c'était un match vraiment spécial. Je pense qu'on a montré beaucoup de solidarité, on a défendu ensemble. Et voilà, je pense que le 1-1 pardon, va bien, entre guillemets, on va dire. Cette belle action orchestrée avec Wabi, avec Eli, amène ce but et on se dit que vous en avez. Oui, c'est clair. Le travail de Wabi sur le but est juste magnifique. Après, voilà, Eli me la met bien et j'essaye de terminer magnifiquement. C'est dommage aussi, en deuxième, on en a eu une ou deux où on aurait pu les mettre au fond, mais voilà, ça se termine en 1-1. Bon, je sais que ça ne sera pas possible, mais un nul à Marseille, c'est presque deux points. Oui, on va dire ça. Après, on avait quand même à cœur de gagner. Maintenant, parfois, le plus important, quand on ne peut pas gagner aussi, c'est de ne pas perdre, on va dire. Donc voilà, on continue la série de 100 défaites et ça nous fait du bien. Quatrième but. Ah, Michel, des matchs comme on les aime, surtout quand on ne les perd pas, alors qu'on aurait presque pu gagner aussi. Oui, non, je pense qu'il faut féliciter les joueurs. Ils ont fait un gros match. Ils ont très, très bien défendu collectivement. Là, ils n'ont pratiquement pas d'occasion. Le pénalty, je trouve qu'il est sévère parce que quand Mamad il tacle, il a contre. Elle lui tape le pied et elle portait de l'autre côté. Elle tape le bras. Mais normalement, quand ça tape la jambe et que ça vient au bras, normalement, c'est annulé. Il n'y a pas pénalty. Mais bon, c'est comme ça, il a pris la décision de s'y faire pénalty. Alors, dans un scénario. En deuxième mi-temps, on a mieux tenu le ballon qu'en première, même si en première mi-temps, on a eu 2-3 contre ici. Et le but qu'on marque. Et en deuxième mi-temps, on a mieux tenu le ballon quand on l'a récupéré. Et on a eu des situations, de grosses situations en deuxième mi-temps. Eux, ils ont une situation sur un centre. Nous, on a eu quand même 2-3 contre où on aurait pu conclure. Elle a du coffre, cette équipe. Et ce point à Marseille, il en vaut presque deux. Non, on prend un point, mais on avance, c'est bien. Ça nous fait un point de plus. Et si on gagne le week-end prochain, on sera à 40 points, on passera une nouvelle dizaine. Merci beaucoup, Michel.